Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle présentation d'ouvrage chez Budo Édition. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au corps martial. Le corps martial, c'est un ouvrage qui a été rédigé par Christian Courtonne et Richard Ségissement. C'est un ouvrage qui est sorti chez Budo Édition ce mois-ci. C'est un véritable manuel de préparation physique pour les arts martiaux et les sports de combat. Alors moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est que tout est très scientifiquement détaillé. C'est-à-dire que toute la première partie, en fait, détaille l'utilisation du corps humain pour les sports de combat et les arts martiaux. Et plus généralement, comment on doit utiliser les articulations, les muscles, et tout est détaillé, c'est très bien fait. On a là, par exemple, les mouvements de l'épaule qui sont détaillés, avec vraiment l'anatomie de l'épaule qui est expliquée, les mouvements tels qu'on peut les faire, dans quelle position on peut les faire, quels sont les risques de répéter les mouvements d'épaule dans une certaine position ou dans un certain angle. Donc c'est très scientifique, c'est extrêmement bien expliqué avec tous les termes scientifiques qui conviennent, et moi ça m'a beaucoup plu parce qu'il y a à la fois, comme d'habitude, les images, les explications, mais surtout tout est fait de manière extrêmement cartésienne et scientifique. Il y a même le fonctionnement des muscles qui est expliqué avec le mécanisme qui actionne les muscles, les mécanismes nerveux. À chaque fois, vous avez des conseils pour utiliser l'articulation dans le bon angle, avec la bonne force, la bonne vitesse, sans se blesser. Vous avez aussi tout un tas de mouvements qui sont détaillés, les mouvements du poignet, les mouvements du coude, de l'épaule, des hanches, des genoux, des chevilles, etc. Donc pour toutes les articulations, tous les mouvements sont détaillés. C'est un livre qui sera un excellent guide pour tous les pratiquants d'arts martiaux et de sports de combat qui souhaitent véritablement comprendre comment fonctionnent les articulations et utiliser au mieux les conseils de Christian Courtonne et Richard Ségissement pour, par exemple, la pratique des katas, du kihon en karaté, la pratique du combat, comment répéter les mouvements sans se blesser. Donc il y a tout un tas de conseils qui sont très intéressants. Donc là, on a un ouvrage qui est en fait à mi-chemin avec ce qui se fait de mieux au niveau universitaire et ce qui se fait d'habitude au niveau arts martiaux et sports de combat, qui est de la vulgarisation. On a un ouvrage qui est un petit peu entre les deux et qui fait une très bonne passerelle en fait entre la vulgarisation pour les arts martiaux et les sports de combat sur la musculation, sur la manière de s'entraîner, et puis les ouvrages universitaires qui sont de très haut niveau et que les gens ont peut-être pas forcément l'habitude de lire parce que ça demande quand même un bagage scientifique très élevé. Là, on a un ouvrage qui vraiment fait la passerelle entre les deux et qui nous explique comment on peut s'entraîner en arts martiaux et en sports de combat sans se blesser, en sécurité et dans le temps long. C'est surtout ça qui est important, c'est de pouvoir s'entraîner plusieurs années sans souffrir de blessures sur le court terme ou sur le long terme. Voilà, donc c'est Un corps martial, publié chez Budo Édition. Il est disponible un petit peu partout au prix de 30 euros, que ce soit sur les sites internet, Amazon, la Fnac, etc. ou évidemment en librairie, et si vous habitez la région parisienne, il sera disponible chez Budo Store. Voilà, c'est tout pour cette courte présentation d'ouvrage. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine sur la chaîne de Budo Édition. Salut !